Non, Aurélien, ça fait quoi de prendre la réplique de Florian BST non, MST, excusez-moi. Ah oui, bah oui, MST, bon. Parce qu'on est des cassos du même airsoft. On va voir si ça tire que en libanais, si ça marque en libanais. Ou faut regarder dans l'organe de visée. Ah ouais, bah tu vises bien, hein, parce que bon, merde. Hein. On va voir ça. Hein. Ça devrait être pas mal, ça devrait être pas mal. Bouger là, non? Eh, c'est fin de partie, ça sert à rien de compter. Ah, quand t'en as un qui prend ma réplique, voilà ce qu'il en fait. Bomb, out. Ah, regarde, Yannick. Là, c'est scénario billets. Donc, l'objectif, c'est de récupérer des billets au centre du terrain, de les ramener dans son coffre. Je vais pas se faire piller son coffre par les ennemis. D'accord. Mets pas un peu dans la photo, sinon on va avoir des dislikes. Oh là là, ça va sentir les dislikes. Attention. On est là, dans les antennes. Mais genre le full c'est comment? C'est sympa hein. On est d'accord. Et pourtant il y a des gros drums et t'arrives très bien à jouer. C'est pas injouable. Ouais mais le drum, oh, il s'est pas visé celui qui a le drum. Ah non, c'est pas injouable, non, c'est facile même pas. C'est même facile. Ouais, c'est la première fois que tu fais de l'airsoft. C'est ça. T'en as jamais fait ailleurs? Non, première fois. Et le fait qu'on puisse tirer en full auto, ça te pose problème? C'était génial. C'était très bien. Mais non, mais parce qu'en fait je t'explique un peu dans le contexte, parce qu'en généralité, les airsofters que ça fait longtemps, c'est-à-dire depuis quelques années, ils détestent le full auto, mais genre c'est limite du cancer. Mais par exemple, quand t'as vu des gens jouer en full avec des drums, avec 5000 billes, des grosses box et tout à tirer, veut dire, est-ce que ça t'a vraiment posé problème? Absolument pas. Bah, ça fait un peu mal évidemment, mais c'est pas insurmontable. D'accord, ok. Ça met du piment. Ouais, c'est ça, c'est drôle. Et toi, ça fait combien de temps que tu fais d'airsoft? Bah, c'était la première tous les deux. Ah, de vous? Mais non, les deux, mais c'est super. Bah ouais. Ah ouais, mais du coup, vous avez loué, c'est ça ici? Non, non, ça c'est acheté. Ah, d'accord, vous avez tout acheté, tout ok. À nous, ouais. Et pareil, le full et tout. C'est cool. C'est cool. C'est vachement immersif. Et si je te dis que dans quasiment 80% des terrains, même 90%, peut-être même plus maintenant, on interdit le full en fait, c'est qu'en semi. Tu penses quoi de ça? C'est bizarre, je trouve ça débile. Ouais, tu trouves ça débile? Si on a une arme qui est en full auto, rien d'avoir des répliques en full auto si tu peux pas tirer en full auto. Quoi. D'accord. Je trouve ça dommage. Après, c'est clair que ça fait mal, forcément, mais c'est fou quoi. Je veux dire, c'est ce qu'on nous attend. Quoi. Ouais, parce que beaucoup disent que c'est pas très réaliste. Mais après, est-ce qu'on joue à l'airsoft pour jouer? Pour vous, ou plus pour faire du simulation militaire, veut dire, vous êtes plus dans quel contexte vous? Bah, je sais pas si on peut parler de réalisme parce qu'on n'a pas d'expérience militaire. Nous, on fait pour se faire plaisir. Et, ah, je suis d'accord. Pour vivre un truc cool, quoi. Il y a de l'adrénaline, on se fait plaisir et puis c'est l'essentiel pour nous, quoi. D'accord, ok. Voilà, simplement. Puis full auto, bah, c'est cool parce que, ouais, clairement, pour nous, c'est grave immersif, quoi. Plus que de tirer en semi-auto ou au final. Donc limite, ça te crée de l'immersion, ouais, de tirer en full, ouais, dû au fait que t'as plus de pression, que c'est plus compliqué, ouais, t'entends plus ces impacts de billes et tout ça. Ah, clairement, ouais, ouais, très clairement. Ouais, quand tu te mitrailles la gueule derrière une tôle et que c'est du full, ouais, je pense que. Et vous avez réussi à jouer quand vous avez touché des gens et tout, carrément, sans avoir de drum ni rien. Ah ouais, non. D'accord. Non. Bah, on a des high cap, mais ça suffit quoi. D'accord. Deux high cap chacun et puis. Tu pensais que c'était genre. Est-ce que tu pensais que c'était non fair-play d'avoir des drums? Parce qu'il y en avait qui en avaient. Moi, le premier, j'ai testé à un moment un drum. Est-ce que tu trouvais ça de l'anti-jeu limite en face? Non, c'est tu pouvais quand même jouer. Ouais, c'est stratégique finalement. Après, moi, c'est normal. T'en as qui ont des drums et qui vont tirer 150 billes à côté. Et puis, ouais. Si tu sais que t'as moins de munitions, tu te mets un peu plus à viser, quoi. D'accord. Après, c'est bien pour bombarder, mais c'est vrai qu'au final,
Non, moi je trouve que moi perso pour le moment ça me suffit. Après franchement, comme première partie, c'était vraiment génial. Ouais, c'était vraiment... Ah, vous êtes régalé. Ouais, c'est top alors. Ouais, c'est cool, franchement, génial. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. On en a lancé une. Et du coup, ça va être dessus si ça vous dérange pas.